Je t'avais déjà dit qu'elle était le meilleur aliment du monde pour moi. Cette fois-ci, je vais te dire qu'elle est le meilleur aliment du monde selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Je m'appelle Michael Cohen et je suis docteur en pharmacie. Et l'aliment dont je vais te parler, c'est un pilier pour la nutrition. Et il a des multiples bienfaits sur la santé. C'est un concentré de nutriments. Je te donne son nom à la fin de la vidéo. Et tout au long de la vidéo, essaye de deviner ce que c'est et dis-le moi dans les commentaires. Il contient des protéines de haute qualité, essentielles pour la construction et la réparation des tissus corporels. Riche en acides aminés essentiels, les protéines qu'il contient sont parfaitement équilibrées pour répondre aux besoins de l'organisme. Mais c'est pas tout. Il regorge également d'une tonne de vitamines. De la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E et même beaucoup du groupe B. Il contient aussi des minéraux comme du fer, du phosphore, du sélénium. C'est une des rares sources alimentaires de vitamine D, cruciale pour la santé osseuse et le système immunitaire. Grâce aux antioxydants qu'il contient, comme la lutéine et la zéaxanthine, il joue également un rôle essentiel dans la protection de la vision. Avant que je te dise de quel aliment il s'agit, pense à t'abonner et à liker pour me donner de la force. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et oui, tu le savais, on parle de l'œuf. C'est dingue, mais c'est vrai, cet aliment est génial. Consomme-en régulièrement, ça va te faire du bien. Tu vas me parler du cholestérol. Mais rappelle-toi que seul 3% du cholestérol provient de ton alimentation. Ne fais pas d'excès, mais tu peux en consommer. C'était Michael Cohen. Prends soin de ta santé et prends soin de toi.